Merci pour votre résistance à l'air du temps. Merci pour votre enthousiasme pour ce nouveau temps. Merci aux bénévoles de la primaire qui non seulement ont tenu bon, mais ont tenu les bureaux de vote. Sans vous, rien n'aurait été possible. Je salue tous les candidats qui ont fait honneur à la primaire en défendant leur idée avec sincérité et respect. Nous avons réussi ce premier tour de la primaire. Les résultats seront annoncés par la haute autorité, mais ils sont dans l'épure que nous avions fixée. Dans ce monde fait d'incertitudes et de dangers, les forces de gauche, démocrates, radicales, écologistes, socialistes, citoyennes, syndicales, associatives, forment un ensemble stable et durable dans une belle alliance. C'est le sens de ce premier tour. Face à la droite de M. Fillon, empêtré dans sa révolution conservatrice qui veut mettre à terre notre modèle social, face à une extrême droite que la classe médiatique sous-estime et qui progresse dans l'ombre, encouragée par le Brexit et la victoire de Donald Trump, face à la fragmentation, aux rancœurs, à la tentation du fatalisme, ensemble, nous démontrons une voie possible pour l'avenir et la réussite de la France de demain.